Alors, est-ce qu'il y a des questions, du coup? Non, je sais pas. Non, est-ce que tu veux peut-être nous vendre quelque chose avec... Non, ça va, c'est très bien. Je sais, je vois ça, là. T'as des bandes sur Toulouse? Hein, pardon? Est-ce que t'as des bandes sur Toulouse? Non, mais moi, j'ai pas bandes sur Paris. T'as des bandes sur Paris? Donc, alors, d'abord, je vais répondre à la question. Non, Jennifer n'est pas là. Est-ce qu'il y a des Corses, déjà, dans la salle? Oh. Tu es bien seul, je vous les Corses. Ce soir, tu vas découvrir la solitude. Alors, comment t'as aperçu le film en tant que Corse? T'as bien aimé ou t'as... Il y a des trucs qui t'ont un peu... Le Brooch. Brooch. On a fait une avant-première à Ajaccio, et puis effectivement, le Brooch, tout le monde connaissait. Mais là, le Brooch, au départ, c'était pas simple pour tout le monde, j'imagine. Vous saviez que c'était du fromage au début? Ouais. Parce qu'à Paris, ça vaut pas. Parce qu'en Corse, on n'a aucun qui sait ce que c'est du cassoulet. Lannick, tu voulais dire un truc que tu m'as dit. Ah, il y a un truc que je vais absolument dire à Toulouse. Alors dis-le maintenant. Tu les détestes. Non, je veux dire bonsoir. Bon gosse. Moi, par contre, il y avait un truc que je voulais dire, parce que enfin, moi, c'est un petit plaisir que je voudrais que... Parle pas à moi, parle à eux. Non, c'est toi que je voulais dire, non, parce que bon, c'est entre toi et moi, on est communs. Et moi, je voulais... Parce que moi, dans le film, tu m'as fait rire quand t'as... Tu sais, quand t'as... Affiché, en fait, comme ça. Ah oui, non, c'est pas que je veux t'afficher, mais non, fais-moi rire, parce que là, tout à l'heure, on rigole pas. Je te le fais dans la bagnole tout à l'heure. Tu veux que je fasse la chèvre ici, toi? Je suis pas le seul à vouloir. Voilà. Magnifique. Je voulais qu'il fasse. Il va pas faire la chèvre, il va faire les chèvres. Il y en a plein. Il mesure toutes les gammes de chèvritude de la voix. C'est vrai. Alors. Des brebis. Merci. C'est la même chose. La production rajoute son petit grain de sel toujours. Hein. Alors. Moi je veux bien faire la chèvre, mais si on fait la plus grande bergerie de France, alors vous aussi vous faites les chèvres. D'accord ou pas? Alors quand je fais peur, c'est en paix. D'accord? Allez, Et tous ensemble, 1, 2, 3. Il y a quelqu'un qui est venu avec sa vraie chèvre ou quoi? Parce que là, il y a un vrai bruit de chèvre, le gars en vert là. On demande de le mec en vert sur scène tout de suite. Oui, c'est la vraie chèvre. Sur scène. Non, je déconne, non, ça se fait pas. Ça se trouve, il y a des patrons et tout, on sait pas. En tout cas, ben voilà, je sais pas, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Ouais, parce que vous ne posez pas la question, donc on vous le dit. C'est vraiment bien, Marie. Ah, mais est-ce qu'on va faire tourner un micro tout de suite dans la salle? Allez, hop, je m'occupe de ça. Allez, c'est parti, qui c'est qui a une question dans la salle? Petite musique d'attente. Vous mettez pas, ça va faire un écho. Hop. Alors, je note, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Alors, Alice, t'es trop belle. Alors, bravo pour le film. Ma question, c'est, ça fait quoi de tourner avec Jennifer? T'es DJ? On est pas DJ. On travaille dans une fête foraine. Jennifer! Bonsoir, madame! Non, mais comment elle est sur le tournage et tout? Démente, hein. Démente, elle est sur le dingue dans le film, vous allez le voir. Et sur le tournage, non, ça s'est hyper bien passé et voilà, c'est une fille en or. Bravo! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Elle est vive, hein? Ah, moi j'en ai une. Thomas, ça fait quoi d'embrasser Alice David? Moi j'en ai une. Ça fait quoi, Thomas? C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté ce scénario. J'en étais sûr! Je me suis arrêté de lire le scénario à cette scène-là. Ok, super, je prends tout de suite. Alors j'ai joué le rôle gratuitement en échange de. Je fais en sorte que le tournage de cette scène dure plusieurs heures. Je me suis forcé à la rater plein de fois exprès pour la fois, je crois, 40 degrés qu'on a fait avec Alice. Voilà. J'avoue. Il y a d'autres questions dans la salle? Ah, là-bas au fond, ouais. Ah, la demoiselle, là. Hop, j'arrive, je cours. Si tu reviens là à chaque fois, ça va être très fatigant. J'ai épuisé. Déjà épuisé. C'est pour Mehdi. Tout à l'heure, à l'hôtel, tu nous as... Attention. Vous êtes jamais vu. J'entends tout à l'heure, j'entends à l'hôtel. Pour la suite. Tu devais chanter à Ajaccio et Patrick Fiori a pris ta place. Donc ce soir, c'est ton soir. Ah ouais.
chanson qui va peut-être pas vous plaire, c'est une chanson de Tino Rossi. Alors je demande au choriste, j'y vais avec moi. D'accord, je t'accompagne, mais bon. Ça s'appelle Corse, île d'amour. Alors faisons une vocaliste, la première note. On le fait pour les premiers degrés, normalement c'est un peu. Voilà, t'es prêt? Non. Mais vas-y, on y va quand même. C'est parti. Au Corse, île d'amour de Tino Rossi. C'est 1900... juste la première note que je. 1902. 1908. 4. Au Corse, île d'amour. Hey, si ça fait mal, ah, je chantais qu'un peu qui saigne. On le fait pour être gentil. Non, on le fait pour être gentil. On recommence. Si tu te marres, on recommence. Eh ouais, je te jure, on va recommencer. Rien qui se marre, on recommence. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. T'es prêt? Au Corse, île d'amour, pays où j'aime le jour, j'aime tes frais rivages. Pourquoi je roule l'air, putain? C'est long, hein? La suite. C'est long et c'est long. Et ton maquis sauvage, j'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant, au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours, au Corse, île d'amour. Il est où le Corse? Il est où le Corse? Oh là là, il n'a pas aimé. Merci beaucoup. Alors, il y a une question juste ici, tout en haut. Bonsoir. J'aimerais poser une question à Thomas. Pendant bien, c'est moi. Les premières prises du film, la palpation n'a pas trop fait mal. Alors, on a décidé de faire une ellipse, de ne pas montrer ce qui se passait dans la scène, effectivement, de la trifouille, ouais, avec les deux membres du Palma Show, puisqu'il faut savoir que j'ai claudiqué pendant 8 jours complets suite à au tournage de cette scène. Voilà, qu'on a décidé de ne pas insérer dans le film, parce que sinon le film était interdit au moins 18 ans. Merci. Claudiquer, c'est comme boitiller. Fais-toi faire une séance de trifouille, tu comprendras ce que c'est. De claudiquer. Allez, on fait passer la sucette. Voilà. Et là. Bonsoir. On fait un film sur la Corse. Il y a quelqu'un de. Il y a quelqu'un qui a un problème avec la Corse. Tu n'as pas vu le voir quand tu as demandé s'il y avait d'autres Corses dans la salle, mais tu étais là. Tu étais camouflé. Je dois savoir s'il y avait quelqu'un de Corse dans l'équipe. Alors, je donne la parole à Jean-Charles Félix, qui est producteur et Corse de surcroît. Co-scénariste. Oui, on est nombreux. Bah, les co-scénaristes sont tous corses, sont d'origine corse. Hein, savoir que là, les Corses, c'est pas uniquement une question de géolocalisation, ça se passe aussi dans l'éducation, la fertilité et la culture. Et c'est vrai c'était le cœur d'un chiant. C'était le petit moment de la phrase. C'était la phrase avec le mot géolocalisation dedans, que personne n'attendait ce soir. Alors la Corse, c'est dans la tête, c'est ça que tu voulais nous dire. Exactement, ça, dans le cœur. Hein, c'est comme, voilà. Comme le Limousin. Voilà. Oh, il y a une dame du Limousin en général, on n'en est pas forcément fier. Alors, d'autres.